Et c'est parti, mon kiki! Likez, commentez, tout. C'est à moi? Non, moi j'ai pas de chaîne YouTube. T'as peut-être un Twitch? Oui, un petit Twitch. Non, tu j'ai pas de Twitch. Enfin... Parce que Twitch, deux doigts coupe fin. Sinon, il était sur les vidéos de fracassés. Ouais, sinon, elle a qu'à le faire sur les vidéos de fracassés. Oui. Et puis elle identifie un fantôme. Exactement, sinon elle dit. Alors attends. Est-ce qu'elle pourrait faire. Code avec merci. J'avoue, merci. Non, mais si elle écrit merci à Arnie sur une vidéo de fracassé, ça me fera très plaisir. Sera déjà. Et puis merci fracassé surtout, parce que c'est lui qui offre. Hein. Ouais, bon, moi, rien. Ça c'est le bordel. Merci Arnie, merci fracassé. Sur voilà. Les trois prochaines. Tac. Bon. Donc maintenant, faut que je sache où je suis. Bon pour le référencement pour fracassé. Eh ben, la finalité, c'était. Voilà ma blague de merde. Jachian, tout chahiné. Ouais, tout chahiné. Il est tout shiny. En plus en ce moment il est réellement distribué en shiny sur. Bah je t'ai envoyé ouais justement là. Sur il y a une info apparemment sur. Mais il y a personne qui a dit à Gouda par contre de rejoindre là pendant que je fais le bordel. Il y a personne qui lui a dit de venir. Alors il a mentionné. Penses-tu sur le chat qu'il ne pouvait pas rejoindre. Bah c'est de sa faute. C'est pas la mienne. Bon allez c'est parti. Les Asiennes. Le fait qu'il ne peut pas rejoindre, on va pas en faire tout un fromage. Allez, passons. C'est bien, c'est les blagues de Dracoon, ça, normalement. Donc, ouais, là, de base, c'est mes blagues. Hein. Il est pas très produit laitier ce soir. Non, peut-être des problèmes de digestion. Non, c'était pas ouf. Bon. C'était vraiment pas ouf. Sur une échelle de 1 à 10, on était à l'épérimé. Si vous voulez lire ça, hein, pendant que je fais ça. Il ne peut pas lire. Eh bah tant pis. Bon ça, c'est là. Ah bah il aurait peut-être fallu que je garde une gamelle, non. Hop là, bah, attends, c'est peut-être un peu une petit. Gamelle. C'est pour gamelle. Les abonnés. Pour ton chien là. Ah mais merde. Mais le pin c'est beau hein, de ce coffret. Ouais. Le pin c'est pas mal. Hein. Bon, vous imaginez que du coup il sera bien sûr à gagner. C'est à dire, la dernière fois personne ne la voulait. Personne. Bah ouais. Ouais. On verra. Ah, pour le coup, ma fille elle serait contente parce que les pins de Pikachu. Mais bon, après. Allez hop, c'est gagné. Si je gagne le pin. Arnika. Si je gagne le pin, si je la gagne, tu la reçois. Non mais c'est bon, le pin s'il est gagné, ça y est, c'est parti. Allez, c'est fini. T'as touché le cœur de fracassé direct. Non mais sauf si vous en voulez, hein. Je suis pas. Mais non, ils en veulent pas, attends, sans déconner. La dernière fois, je l'ai proposé à tout le monde, ils m'ont chié à la gueule. Moi, je l'ai potentiellement dans le coffret que je vais ouvrir, donc ça va. Bah franchement, ce pin, là c'est dommage parce qu'il est, il bouge apparemment. Alors oui, par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire la démo, donc en gros... En fait, t'as un aimant... En fait, tu as un aimant juste en haut. En haut, mais d'accord. En haut. Alors, à savoir, pour les enlever vraiment la première fois, je te conseille d'utiliser une pince. Oui. Ouais, bon, je vais pas réessayer, j'ai déjà pas réussi sur le mien. Ça, après, ils s'enlèvent tout seuls une fois que tu les as déjà. Merde, ils sont un peu collés. Non, ils sont un chouille collé, c'est normal, c'est là, la première fois, tu vois, faut décoller les bords. Ouais, bah franchement, il est mignon, moi je trouve. Enfin, bon, après, c'est. Voilà, c'est. Merde, attends, c'est du pour coup, ma fille, hein, c'est pas pour moi. C'est le bac qui a pas qui m'embête en fait. Sinon je l'aurais pris la dernière fois. Hop là. Donc ça, on a dit que vous arriviez pas à lire. On s'en fout. Bah attends, y a pas d'autres cartes. Ah si, elles sont là. Je suis con. Alors ça, c'est ma série préférée. Un Goléon. Ah putain. Elles sont inouvrables. Attention. En un Goléon. Là, il va avoir un Goléon alternatif. On va pas comprendre. Non mais. Il va en avoir une deuxième. Je colle un Chiffourse. Et il va en avoir 5 les gars, il va en avoir 5, on sait pas comment. Allez. Il en aura 5. Ah c'est une paix bouclier. Et bouclier. C'est aussi dégueulasse que Reine de Glace. Est-ce que Reine de c'est Glace, joli ça quand même. Mystic Grix, je l'ai pas eu ça, c'est joli. Oui. J'aime bien. Elle vaut sa petite livre ouais, la cocotte. Cool, hein. Pas mal. Je l'ai jamais vu. Bah non moi non plus. Non, elle est pas dans le bon sens. C'est elle les sleeves à l'envers, c'est normal. C'est un Pokémon de la 6ème génération de la France. Donc c'est le 678. C'est pas mal de ça. La France.
de la fronce. Bon bah finalement je pensais pas que j'allais sliver quelque chose, mais ça fait deux sleeves quand même dans les boosters parallèles, on va les appeler comme ça. Allez. Je sais pas. Quelqu'un l'a vu? J'en ai pas la moindre idée, sérieux. Attends, c'est un truc vert je crois. Non, Chetiflore. Ouais c'est ça, Tokotokotoro. Un truc comme ça, Tokotoro. Tokotoro. Oh, elle est... Oh putain. Putain. Je suis désolé, je suis obligé de la prendre comme ça du coup. Excusez-moi. Bonjour. Allez. 3, 2, 1. Waouh. Victory Max. Oh, GG. Oh. Mais c'est quoi ça? Fracas, tu t'as le mec, il a du loot là, ça fait quoi? Bah je sais pas moi. Il a du loot. C'est le porte-bonheur du soir. Règne de glace. Je sais pas moi, écoute hein. Attends, Fracas, tous mes prochains boosters, je les ouvre avec toi. Je les ouvre avec toi. Bah c'est surtout qu'on va les ouvrir ensemble hein, les gars, hein, parce que bon, moi quand j'ouvre tout seul, j'ai pas ça. Hein. Les miens. Par contre, je sais pas. Karma, hein. Tu vois, ce qui aurait été bien, c'est que là, s'il y avait un abonné ultra, bah, il serait capable de me dire si je l'ai en double, tu vois. Et si je l'avais en double, bah, les gens ils le savent, je l'aurais mis dans la caisse là-bas, non, mais je le sais pas. Je crois que je l'ai déjà vu. Je suis pas tout le temps non plus, mais je pense. Je crois que je l'ai déjà vu celle-là. C'est quoi comme ouverture, style de combat? Ah bah non, pas du tout. Je peux pas l'avoir en style de combat. J'en ai pas ouvert assez. Moi, je pensais même pas que ça lootait ces trucs-là. Ah mais t'imagines quand même que t'as eu Articodin tout à l'heure, ça j'en reviens toujours pas. Non mais franchement pour refaire le petit loot, là en gros moi de ce que pour l'instant j'ai gardé de mon côté, en gros, hein, du coup parce que Martin t'étais pas là, donc on a le Victini VMAX, ça tu l'as vu, le Mystic Rix aussi, le putain d'Articodin V, qui lui... Alternatif, ouais. merci. Alternatif, c'est vrai qu'elle pète sa race, là on dirait qu'il est dans une boule de Noël, tu vois, tu peux la secouer, mais ça fait pas de flocons. Attends, c'est magnifique, hein, la sphère autour de lui. Le Rayquaza. Et le Trainer. Donc là pour l'instant ça va, hein, ça régale. Ça régale. Allez, on renvoie. C'est parti, mais je voulais faire quoi? Ça. 2, 3, 4. Allez. Là je sens le luxe train niveau X, je sais pas pourquoi. Hop. Ok, une question. J'annonce d'enfant. Alors attends, parce que j'ai pas entendu. Quelle est la question? T'as ouvert combien de TB? De TB de quoi? Bah, célébration. Une. Une. Il s'attendait pas à cette réponse. Moi, je pronostique Kaorin. C'est pas la première que t'as ouvert carte... ou t'as ouvert les deux même. Ok. C'est alternatif. D'enfant. La premium, okay, elle est juste et... là. J'ai pas encore craqué mon slip. Ça, le petit flex. Oh et... oh. Oh oh, bah tiens, ça colle bien. Oh oh, je l'ai pas encore ouvert. Ouais, ça pue la merde. Non. Ah, je l'avais pas celle-là. Je l'avais pas. Putain. Je croyais qu'il y en avait une autre. J'ai mal compté là. C'était un booster vide. Putain, je suis en train de faire vraiment un booster poubelle. Pardon ? C'était le booster de la S. Elles sont super tordues les cartes. Hein. Ouais, c'est assez chiant. Mais après, moi aussi, je pense que j'ai une façon malheureusement de les ouvrir où je les tords un peu. Je pense que c'est pas ta façon de les tordre. Parce que si ce serait toi qui les tordrais, elles se remettraient vite en place. Alors que RS est tordue. Ouais. Donc je pense pas que tu es l'auteur. Bah surtout que là, celle-là, elle est clairement. Enfin, celles-ci, elles sont même pas tordues, elles sont vrillées, tu vois. Enfin, ça reste dans les coffrets ou dans les chines. On n'a pas vu. Tordu, c'est pas vraiment un mot, c'est plus. Oh, Cosmog! Ça va être un Pikachu. Oh putain! Pikachu surf. Oh, c'est Reshiram! C'est Reshiram! Wouhou! Oh, magnifique! Elle est magnifique! Elle est superbe! Et il y a une V derrière. Bon, c'est quoi ça? Oh, c'est trop nul ce Pokémon! Ouais, en fait, Zassur et Zamazenta. Aussi fort que Mega Rayquaza. Bon, tu es moi. C'est les légendaires, on s'en fout. Zamazenta, Zassur, tu t'en fous de. Ils ont mais pas mais le look des légendaires. Coucou. Eternatus, limite, c'est le mieux des trois. Eternatus, moi, je le trouve magnifique en tant que carte. Enfin, en tant que design. Allez. Les deux Amazonata, je les aime beaucoup moins. Reshiram, Lugia. Moi, je préfère les chiens, enfin les loups. Oh. Ouais. Moi, Eternatus, je le trouve beau. Allez. Qu'est-ce que ça peut être ce truc? Necrozma et Eternatus. Merde, j'arrive pas à l'ouvrir. Alors, ça, moi aussi, je préfère Necrozma et Eternatus. Oh, il y a une belle carte là. C'est. Ça va être le Black. C'est Rayquaza. Fais voir un peu encore. Attends, ouais, faut. Je crois.
Mais non. 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 Ah non, non. Zernéas. Oh, joli. J'ai failli, j'ai cru. Je voyais du rouge, mais pas du rose. J'aurais celle-là, je la trouve magnifique chose. Aussi. Elle est pas mal, mais j'aurais préféré autre chose. Enfin, je l'ai pas, je suis content. Enfin, ça s'entend. Mais non, plus, j'aurais préféré autre chose. Ouais. La carte, mais sinon, c'est, elle est rare, quoi. Ouais, alors celle-là, c'est une des plus rares hein, à avoir. Ah bon ? Dans, dans le top 10 de la série, je pense. De toute façon, les niveaux X, elles sont rares dans la série. Là. Bah, les gars. Bah là, du coup, le il y a ratio rien, 1 sur 100, Xerneas. Dans le top 25, c'est en espoir. C'est quoi le ratio ? Le ratio, je l'ai sur la vidéo de l'anglais qui a fait le compte sur 3000 boosters. Putain, 3000. Tout quant au 25. Vas-y, je veux bien que tu partages une capture d'écran de ratio. Ouais, genre. Bah, attends, après, t'avais envoyé le lien, au pire, je peux. On fait un. Là, j'ouvre le dernier booster, et si tu envoies le lien, au pire, dans le canal, je l'ouvre en vitesse, comme ça tout le monde peut le voir en live, et on en parle direct. Donc là, de toute façon, dans celui-ci, je pense qu'il va rien y avoir. Alors, est-ce qu'on se le fait en mode speed ? Vu que là, dans la logique, normalement, il n'y a rien. Merde. Non, moi, je pense qu'il y a quelque chose. Bah, il y a quelque chose. Il y a un petit truc. Donc là, c'est pas 1 sur 2, hein, ça dépend, en fait. Ouais, surtout que là, c'est un coffret, en fait, j'avais oublié. Oh, c'est quoi cette carte? Ah, il y a un dresseur, déjà. C'est stylé ou c'est pas stylé? C'est une réédition. Ah, c'est un reprint. Y a un... C'est la Team Rocket, ouais, c'est la Team Rocket. Oh, joli, je l'ai pas eu. En vrai, putain, elle est texturée partout en fait. Ah ouais. Ouais, elle est texturée. Oui, elles sont toutes texturées partout les dresseurs. Donc celle-là, elle est pas très rare, mais je la trouve très très belle. Mais on attends. Mais moi j'ai vu personne la tirer à part lui. Ah, c'est un Pikachu. Et un Pikachu. Les Pikachu. Eh, la professeur Shen, elle est ouf. Attends, reviens là toi. Elle est chouette hein. Elle est chouette. Toi, c'est bien, tu complètes hein. Bah, c'est le but hein. C'est pour ça que j'ouvre là les cocottes hein. Je régale, mais moi je me régale aussi quand même, c'est le but quoi. Ah non, là, ça fait, tu vois, j'attendais quand même. C'est hein. Difficile de compléter quand on a déjà pas mal. Là, j'attendais depuis un petit moment quand même. Hein. Bon, allez. Faux Professor Shane. Mais il manque quoi d'autre maintenant, à part le Dracaufeu? Bah, beaucoup de choses. Le Mew EX, le Mewtwo, plein de choses. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, je viens de le donner là. J'attends plus que cela, moi maintenant. Ouais, le Magikarp, putain merde, je l'avais oublié celui-là. Mais j'ai trop. Moi, j'aimerais trop l'avoir, le Magikarp brillant, enfin, mais. C'est bon, bordel. J'ai pas encore commencé à ouvrir. Bon. On va voir. Je vous ai posté le screen avec les taux de drop sur le. Ah, super. Alors, on va ouvrir ça en vitesse, enregistrer l'image. On va voir. Pour cette action. Alors, attends. Ah, mais oui, non, du coup, limite, je ferais le lien de la vidéo, serait peut-être moins bête. Alors, attends, je vais vous envoyer le lien de la vidéo, ce sera plus pratique. Comme ça, moi, j'ouvre la vidéo en vitesse sur le navigateur. Bonjour à tous, aujourd'hui, on va... on va se... Alors, non, par on contre, va non, du coup... Vidéo, on va réagir. Non, je fais pas... Là, c'est juste pour avoir sur sa vidéo, il doit bien avoir drop le... Ah non, il drop pas la table, en fait. Ok. Ah, ok. Non, il drop pas la table, il la montre en live, en fait, seulement. Mais bon, c'est un travail quand même colossal qu'il a fait de... Ah bah là, 3000 boosters, c'est impressionnant. Enfin, du coup, les ratios, je serais curieux de savoir. Bon, enfin, du coup, à la limite, pour pas embrouiller, vu que c'est une vidéo, je la mettrai dans la description. Non, mais tu vas à 4,51 et t'as le tableau. Oui, là, je suis même à 3,51, elle y est. Attends, faut juste que je regarde. C'est lequel chez moi qui renvoie l'onglet. Voilà, super. Donc voilà, là, normalement, hop là, voilà, je donc, montre dans la le vidéo. Magikarp, et vous... Le Magikarp, il est... aussi rare que le Rayquaza, et donc le Rayquaza que t'as eu, c'est une des plus rares de la série. Hein. Ouais, moi, j'ai alors, dans le... donc là, c'est le pack ratio, c'est le nombre de pack ratio, en gros, c'est la rareté, quoi, c'est ça. Hein. Exactement. Non, je vous ai dit booster, donc il l'a chopé. Ah oui, c'est, en fait, c'est le nombre de fois qu'il l'a. Attends. Oui, c'est en fait. Ah non, le 21, c'est le nombre de fois. Ok. Pour en l'avoir une fois. En fait, il a eu sur 3385 ouvertures, il a eu 21 fois, donc il a un ratio de 161 sur 3385. Exactement. Wow. Et donc on voit que le Charizard, il est pas si rare que ça, tu vois, en comparaison. Alors, moi je veux juste faire un petit clin d'œil à un abonné que j'ai rencontré et qui est assez fidèle depuis maintenant quelques temps, c'est Omegalaxy. Parce que si je dis pas de bêtises, Omegalaxy, le mec, son premier booster, il chope un Rayquaza. Ouais, il l'a dit, il vient de dire. Voilà, première ouverture célébration, il se tape le Rayquaza. Bah, franchement, c'est chouette, bravo à toi. Bon.
Il y a eu juste des crèmes en ultra ultra. Alors, comment ça se passe? Ça c'est pour moi, ça aussi. Et là on a. L'Eviator il est à quel ratio? Parce que j'ai l'Eviator au premier booster. Non, l'Eviator il est même pas dans le classement tellement il est commun. Quoi. Ah ouais? Ouais, il est ultra commun. D'accord, je voyais pas beaucoup de gens le tirer en vrai. Alors, moi, bah tiens, ça on va faire un truc vu que le Zacian a le Léviator là il est dans le tableau. Ah oui, il est Gérardos, il est 38. Ouais, tu vois, il est assez bas dans le classement. Donc là, à la limite, vu que ces cartes sont... voilà, à la limite, je vais les mettre ensemble, le Zacian promo et le Zacian V. Parce que de toute façon, il n'y a pas assez de l'eau pour tout le monde. On va remettre ici le Reshiram. Et le Surfer. Donc là, on va essayer de trouver un truc rapide. Attends, il y a combien de personnes? Attendez, je reviens sur... Parce que là, on va pas refaire un jeu de la bombe. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est 5. Et il y a 3 lots. Donc ça veut dire qu'il faut faire un jeu où à la en gros il faut que ça fasse un 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu où à la fin en gros il y a un podium de 3 personnes. De quoi? On peut pas speed un petit peu quoi, il est... C'est pas pour être méchant mais il est 23h. Ah ouais mon petit, mais attends. Demain il y a école. Ah non, c'est les vacances hein. Bah oui c'est les vacances. Faut habiter en France mon petit hein. Courte en parce que là, écourter, écourter, ça va être un peu compliqué, Dracoon. Parce que bon, après, ce que je peux faire, c'est que là, à la limite, on fait pas de jeu tout de suite sur celle-ci, vu qu'il y a que ces trois lots là. Je réinclurai les trois lots sur la prochaine, du coup, de la box. Mais tu vois, sur la box, il y a déjà la Pikachu, là, la figurine. Il y a les deux cartes promo. Donc ça fait déjà, là, ça ferait déjà 5 lots. Mais ça fait trop de trucs là que j'ai envie. Je me dis, j'ai une chance, mais je peux. Et moi, c'est vous qui avez dit on ouvre la box en dernier. Bon, donc là, on peut... non, mais on peut faire un truc rapide. Est-ce que, enfin là, je pense que tout le monde, par rapport aux cartes qu'il y a là, a peut-être une envie. Là, on est combien? Donc, 1, 2, 3, 4. On est 5 ou 6, je crois. 5. 5. Donc, il y a 3 lots. Putain, merde, c'est compliqué. Il y a quoi comme lot déjà? Je suis désolé. Là, en gros, t'as le Zacian promo. Avec le V, enfin le X, le Zacian V, ouais, le Zacian V, le Zacian X c'est un lot, ouais. Et le Surfer c'est un lot et le Reshiram c'est un lot. Les gars, je vous les laisse avec plaisir. Tous ceux qui veulent. Le Zacian X je le trouve assez stylé, mais sans plus. Bah moi, genre, il est pas dégueu. De l'ouvrir de le Zacian. Prenez ce que vous voulez. J'aime bien le Reshiram. Donc là en gros, attends parce que du coup si je résume, en gros, attends, on va éliminer par l'eau déjà à la limite ce qu'on peut faire. Zacian, qui est-ce qui peut être intéressé par le Zacian? Vous levez pas tous en même temps. Après Zacian, par exemple, j'ai compris hein. Zacian, moi il y a que la promo qui m'intéresse. Bon bah le Zacian poubelle. Ouais voilà. Et puis, genre la Zacian promo. Ok, bon, maintenant c'est plus facile. Il y a deux cartes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un tout petit Shifumi en vitesse. Ouais, je pense. Hein. Non, mais qui veut, qui veut les cartes? Bah, là, du coup, pour faire un Shifumi, du coup, là, du coup, bah, là, c'est, en fait, c'est simple. C'est les participants, vous m'envoyez votre. Par message, en fait, perso privé direct, à moi, quoi. Vous m'envoyez le jeu. Ou trois. Ah, attends, donc on avait dit c'est Badge Tigre, il est où? C'est pas lui. Mais au pire, on fait le jeu de la bombe. C'est drôle. Comme tu veux. C'est juste que, ou au pire, si on fait le jeu de la bombe, en gros, c'est à la fin de la première partie, on trie par rapport au gagnant. C'est-à-dire que les deux, le premier gagne le Reshiram et le deuxième le Surfer. En vrai, c'est rigolo. Et on fait une partie à la limite. Le problème avec le jeu de la bombe, c'est que sur téléphone, moi, ça répond moins vite. Ah mais aussi, mais ouais, il faut sortir le matos, mais... Mais on s'en fout, les gars, jouez. Ou alors faites pierre, papier, ciseau à l'oral jusqu'à 3, et puis voilà. À l'oral. Oui, ça peut marcher aussi rapidement à l'oral. Hein, c'est... À l'oral, ça peut être pas mal, le problème c'est que il faut vraiment que ça soit à 3, quoi. Faut pas veiller, quoi. Bon, qui participe, là, déjà? Moi, je parle aussi, mais... À l'oral, tous ceux qui ne participent pas, mutez-vous.
Moi je veux pas. Ouais, ceux qui participent pas, oui c'est une bonne idée ça. Ceux qui participent pas, vous mutez, comme ça il y a le micro devant vous, ça me facilite le tri. Donc là du coup, il y a Arnica, Martin et Omega Alexis. Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous départager? Vous voulez les gars, moi, moi c'est avec plaisir, Shifumi ou Bombe, peu m'importe. Moi Bombe, Shifumi. Ça m'arrange plus comme je l'ai dit, après c'est comme vous voulez. Hein. Bah il y en a un de vous trois qui doit prendre une décision là. Mais non, mais on peut faire un Shifumi, parce que j'ai dit si au ma gueule, ça marche pas mais bien non, mais pour lui là. Non mais au pire genre tu fais un quiz avec des questions, genre tu poses une question et le premier qui a la bonne réponse il est là tu vois. Oui, parce que Omega, ça marche pas le. Ouais, ouais. Alors ça peut être pas mal. Allez, je vais essayer. Si quelqu'un a une question en tête, n'hésitez pas à me l'envoyer en message privé. Hein. Ah bah vas-y. Envoie la question, ça me va très bien. Donc là pour le lot du Reshiram. Alors pour le Reshiram, la question est simple. Vous êtes prêts? Ouais. Combien il y a de Pokémon dans la seconde génération? Il y en a 100. Alors la question c'est, est-ce que t'avais la réponse du coup? Parce que, j'entends les claviers là, j'entends des claviers derrière. Donc on a 100 pour Omega Alexis. Ouais c'est vrai c'est 100. C'est ça? C'est 100 ouais. Bah ouais, en même temps je vous l'ai dit tout à l'heure les gars, c'est le Pokédex Omega Alexis. 251. Putain, je vous l'ai dit, c'est un Pokédex. Faut faire attention vous. C'est 251 ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison sur l'ensemble. Donc ça fait 100. Donc bravo Omega Alexis, tu as gagné le Richard. Putain, c'est mon Pokémon limite préféré dans les fabuleux. Ah bah génial en plus, tu vois c'est classe. Tu vois comme quoi, déjà il est bonnes ondes ici. Bon alors du coup pour le Pikachu Surfer, il nous reste un truc à faire entre Martin et Arnica, pardon. Donc à vous de me dire, est-ce qu'on pose une question? Quelqu'un a une question? Quelqu'un a une idée? Attendez-vous. Hop. Merde! Ah! C'était qui ça? Je fais voler les cartes maintenant. Ah bah c'est bien, c'est un Pikachu volant qui vole. Plus c'est bien, du coup il a le micro muté, il va pas m'engueuler. Non, personne qui a une idée du coup pour la question. Ah si, j'ai une question. J'ai pas la réponse, mais Fracassé va pouvoir la trouver. Ah ouais, bah oui, mais c'est pas à moi de la trouver la réponse du coup. Ça, non, mais pour la vérification, combien de cartes ont été mises en gain aujourd'hui. Oh, c'est violent ça. 1, 2, 3, 4. Bah non, mais Martin, il peut pas jouer. Il était pas là depuis le début. Bah oui, il était pas là dès le départ. Ouais, mais Arnica, l'avantage de l'assiduité. Ouais, mais non, c'est pas équitable, je trouve. Moi, on va faire un autre truc. Après, attends. Je vais dire une connerie, mais après, honnêtement, je suis pas sûr que Arnica puisse non plus compter, tu vois. Non, mais. Et puis c'est pas équitable c'est, pour Martin. Non, puis c'est pas équitable. Donc, allez, une dernière question. Quelqu'un a une question? Non, mais les gars. Attendez, moi j'ai une question super. Attendez. J'ai une question super. Est-ce que tu. Enfin, tu peux répondre du coup, Martin, si je pose une question en speed là? Mais est-ce que vous m'entendez ou pas? Là, ouais. Ah, ouais. Oui. Mais en vrai de vrai, je te laisse le Pikachu. Moi j'en ai déjà chez WAM, ça m'intéresse pas trop, tu vois. Ah bon? Voilà. Ah, bah voilà, c'est réglé. La question que là pour voir qui aurait gagné. Bah, ça marche. Du coup, c'était une question nulle, donc à la limite, c'est bien, ça résume. Mais c'était quoi ta question, sinon, Fracassé? C'était quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Là, c'était une histoire de rapidité, quoi. Non, je voulais une question Pokédex, moi. Mais moi, genre, je suis une vraie. Quel est le Pokémon qui a le numéro 0 dans le Pokédex? Oula. Et en plus, on l'a chopé dans l'ouverture. C'est vrai? Il y a quelqu'un qui a répondu, je crois. C'était, je sais pas, non? Merde, attends, du coup, je suis perdu. Ouais. Il y a pas quelqu'un qui a donné une réponse, là? Mais les gars, c'est bon, on comprend, quoi. Ouais, mais moi, ça m'intrigue. Le 1, c'est Bulbizarre, mais le 0, je sais pas. Le 0, dans le Pokédex. Le 0, dans un Pokédex. Zekrom? Dans tous les Pokédex. C'est dans cette génération-là, en tout cas, c'est pas Zekrom. C'est un Pokémon qu'on a tiré aujourd'hui. Tini. Oui. Non, sans déconner. Oh, GG. Victini, le Pokémon numéro 0 du Pokédex de la 5ème génération. Il est avant le starter. Bah, non, mais sans déconner, ils sont plantés ou quoi quand ils ont fait ça? Victini. Non, ils ont fait exprès. En gros, c'était un Pokémon qui est censé être caché comme Mew. Ah, d'accord. Sur la région du Nice, pour le trouver, il fallait obtenir un pass événementiel
Et sur Liberté ou Victoire, ouais. Je sais plus, tu pouvais remporter le bikini. Putain, on apprend des choses, c'était beau les gars. Je l'avais eu à Jouer Club à 60. Ça, c'est ouf quand même. Je vous ai dit, Omega Galaxy, c'est une bible Pokémon. Omega, j'ai joué. C'est très bien, il faudrait que tu y joues un jour. C'est vraiment très bien. Et c'est lequel d'entre vous qui aimait bien Diamant et Perle ou le Bloc X? C'est moi aussi. Ok. J'aimais bien Diamant et Perle. Ah, mais Omega, on pourra discuter de tout ça plus tard. Allez voir sa chaîne à Omega Galaxy, là il a sorti une petite vidéo rigolote aussi où il montre des choses un peu ancestrales, comment on peut transférer des Pokémon de versions sur Game Boy Advance, sur Switch, ça m'a fait rigoler, c'était vraiment pas mal dans ta vidéo. Là c'est de la GameCube à la Game Boy Advance, de la Game Boy Advance à la DS, de la DS à la 3DS, de la 3DS à la Switch. Ah, ça c'est rigolo. C'est le plus possible qu'on peut faire. C'est-à-dire que même si t'aimes pas Pokémon, en fait, rien que la manip, elle est franchement fun à voir, quoi. C'est-à-dire que tu te dis, en fait, il balance un truc des années 2000 dans un truc des années 2021 en mode normal, avec des câbles, avec des transferts, enfin, c'est drôle. Allez, écoute, petite coupure à ce niveau-là, il restera plus qu'une grosse partie, l'ouverture du coup du coffret Pikachu VMAX, avec déjà un petit peu en teasing, quelques gros trucs fun. Voilà, il y a un petit peu de karaoké à un moment donné dans la vidéo. J'en dis pas plus. N'hésitez pas à vous abonner, les petits pouces bleus, la cloche si vous voulez suivre, et je vous invite pour le prochain épisode. Allez, salut!